Il faut gagner d'un côté comme de l'autre entre Lyonnais et Oyonnaxiens. Défaite un petit train notamment Hugo Fabregue. Niachvili. La pénalité qui a amené les trois premiers points du match, c'est parce que les Lyonnais étaient hors jeu, en l'occurrence Foto Aïkal. Avec Gavin Stark peut-être à la réception qui a essayé de toucher ce ballon en arrière, c'est bien fait avec Miotti. Le petit coup d'œil pour Daniel Ikpefan et ce coup de pied qui sera récupéré par Niachvili, chassé. Très présent. Jackson, Niachvili qui va aller chercher sur l'aile Alfred Parisien. Ils échangent un peu les postes, hein. Parisien et Niachvili, pas d'en avant selon Monsieur Pradry. Finalement, part au sol devant cette ligne des 22 mètres. La réponse des Lyonnais avec Niachvili maintenant pour Liam Allen. Pris par deux Oyonnaxiens, sa plaque à tour de bras. Dans le même sens, Couillou tout de suite avec Niachvili, avec Godwin. Et Liam Allen en position déliée, mais attrapé par Justin Bourreau. Ça repart encore avec Couillou qui va servir Félix Lambé. Couillou, on a aussi Jérôme Rey, hein, qui a bien résisté. Et sur ce dernier temps de jeu, la sortie de balle de Niachvili qui surprend tout le monde, qui trouve Couillou. Et derrière, Félix Lambé vient. Là qui a pris 5 points à l'extérieur en 8 matchs avec un succès. C'était à Montpellier. Attends, attends. En jeu. Allez, on est parti sur une partie de ping-pong rugby. Arrêt de voler. Vincent Rotès se prépare. Il va bientôt faire son retour. Il a trouvé un très très beau coup de pied, une très très belle touche. David Niachvili, ça a été joué rapidement. Reculez 10 mètres. Par Ikpefan et Oyona. Le coup de pied de Miotti. Et impeccable Niachvili qui vient trouver Baptiste Couillou après contact. C'est bien fait Baptiste Couillou qui navigue jusqu'au bout. C'est en avant volontaire sur la passe de Roussel, mais derrière, regardez, hein, il est très très loin David Niachvili, mais dès le début il sait ce qu'il veut faire. Il veut profiter, il le joue à la main. En plaquant, il tape sur le ballon. Et même s'il est plaqué notamment par Tommy Reynaud, eh bien. Ouais, bah, il est quand même. Hein. Il arrive après le contact. Regardez Gavin Stark, il ne regarde pas. Sur les terrains, bien évidemment. Allez, Daniel Ikpefan, le long coup de pied de la part de l'ailier, le marqueur d'essai. Avec un ballon récupéré par un autre marqueur d'essai, David Niachvili. Mettre le ballon le plus près possible de la ligne. Et Justin Bourreau, le coup de pied vers Ikpefan, était bousculé. Niachvili encore. La charge de Liam. Niachvili a cherché où c'était dangereux cette passe. Théo William. Paddy Jackson. Niachvili. Qui résiste bien au plaquage de Théo. Cassin, le coup de pied. Très long, trop long certainement. Prise de balle de Niachvili solide. Qui n'est pas tenu et qui peut se relever. La fin de passe pour éliminer Charlie Cassin. Et en plus, il y a un avantage. En plus, encore. Et toujours ce ballon qui ressort droit, la grosse charge là de Rory Sutherland. Le coup de pied à suivre de Charlie Cassan. Il est parfait ce coup de pied pour gêner Niachvili, mais il est impeccable le géorgien pour l'instant. Et Miotti va lever une nouvelle chandelle. Elle est un petit peu longue encore une fois. Léo Berdeux qui arrive en sautant à trouver Niachvili en passant au sol. Qui passe 1, 2, 3 plaquages. Niachvili, le retour intérieur pour Baptiste Couillou qui va retrouver le géorgien pour le doublé de David Niachvili. Le doublé de Niachvili, je le disais, il a marqué en première période. Et ça fait 6 essais en top 14, 7 cette saison. Il n'avait pas marqué depuis la 11e journée. Et un succès contre Montpellier. On va sortir ce ballon proprement avec Jackson. Il va monter une très très haute chandelle de l'autre côté, évidemment, pour aller chercher Niachvili qui rabat ce ballon derrière lui. Récupération de Léo Berdeux. Le bon lancé de Charcosset, la prise de balle de William. Et on va essayer d'avancer ce ballon porté. Ça a fonctionné tout à l'heure. Charcosset dans le rôle de Liam Coltman.
et les trois qui arrivent, Niniashvili. Rimé attend un petit peu, mais ce ballon, cette défense qui s'est désagrégée. Et Yannis Charcosset, qui à la 84e minute, fait se lever tout le monde du Loup.